Événements. Nous sommes très heureux, pas actuellement. Nous sommes indépendants, nous avons projeté de ça avec Médard, président d'un grand parti politique, beaucoup en avant, et Jean-Pierre. Ici, maître juriste, cadre et communicateur au niveau du PPRD, nous allons prendre également l'actualité oblige, les déplacements de Vital Kamerhe. Selon plusieurs sources, le président de l'UNC a déjà quitté les pays depuis hier pour les soins. On parle des États-Unis, on parle également de l'Europe, on ne sait pas. Nous aurons beaucoup plus de précisions dans les heures qui viennent. Nous allons enfin chuter avec la tournée du président de la République au niveau du Grand Kassai. Aujourd'hui, le président sera à Lodja, son bureau. Nous allons en parler avec nos invités. Les premiers arrivés, c'est Médard. Bienvenue. C'est votre première émission. L'émission, c'est en français également. Bon, merci pour l'invitation, Gramic, surtout. Laissez-moi apprécier ce beau plateau de Perfect Télévision. Un clin d'œil à M. Peter Tchiani, oui, qui est le DG, quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime. Et voilà, aujourd'hui, nous produisons une télé de qualité. Merci à vous aussi pour l'invitation, oui, surtout à mon co-débatteur que vous allez présenter. Habitué des plateaux, malgré qu'il a choisi l'axe du mal. Mais le plus important, c'est les Congo gagnent. Donc, nous allons débattre en République. Hey, mesdames, Kogolo, vous êtes également promoteur, je dirais comme ça. C'est voulu. Très 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 bien, et d'ailleurs beaucoup des abonnés chaque jour. Nous présentons des émissions et nous avons atteint les caps des 10, maintenant dans les 11 000 abonnés dans moins de 4 mois. Et quand même, ça fait très bien, et surtout aussi, permettez-moi quand même pour la première fois saluer l'interfédéral de notre parti, et nous l'avons installé, et Congo en avance se prépare pour gagner les élections en 2023, parce qu'on doit gérer le pays, oui, et autrement, surtout la ville-province de Kinshasa, parce que j'avais suivi Godin, puis j'étais choqué, estomaqué, et il a dit que la ville de Kinshasa actuellement est gérée par le grand intellectuel, merci, les hommes qui ont étudié, les hommes qui font avare. Mais c'est très grave. Lorsque vous regardez la ville, la gestion actuelle, l'intelligence, un intellectuel, c'est pas celui qui brandit des diplômes ou qui parle français, mais un intellectuel, c'est celui qui sait trouver des solutions aux problèmes qui posent la société. Merci beaucoup. Mais vous, lorsque je vois la vie de Kinshasa, et Godet parlait des diplômes, j'étais un grand potentiel. J'ai honte à sa place. Regardez, vous prenez la commune de Kinshasa, en pleine, en face de la commune. Les immondices, n'en parlons même pas. Mais aujourd'hui, je rappelle à Godet Mpoyi qu'il y a un ministre, le ministre des Transports, son nom c'est M. Mbokoso, qui escroque les Kinois en plein jour. C'est ça qu'il fait, oui. Payez-moi 500 000 francs, je veux construire le parking. Jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, rien n'est fait. Godet Mpoyi a des diplômes de brandir d'avare. Beaucoup, c'était les coups de gueule de Médard. Pour le moment, c'était d'offrir son biscuit. J'insiste encore et j'ai dire vous informer que Médard Kongo, notre parti, fait partie également de la l'Union Sacrée. Alors, Jean-Pierre, il y a un grand plaisir de vous retrouver après Kisangani. Je ne sais pas si vous étiez ensemble avec Moïse Katumbi ou vous étiez à la Sénégalais. Oubliez. Proche de Kabila, on dit que vous étiez oublié à la rencontre, à la dernière rencontre de l'année où Joseph Kabila a honoré les gens qui l'honorent pratiquement. Bienvenue. Oui. C'est bon. Monsieur Gramic, je vous dis merci pour, oui, l'invitation, et je voudrais par la même occasion que vous me donnez en tout cas vous, oui, dire bonne année, oui, dire bonne année surtout à notre président national, oui, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Bonne année aussi à sa famille. On commença par bien sûr lui-même, mais sa femme et ses enfants. Je ne manquerai pas de dire bonne année à notre secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramal Chadari.
qui en tout cas nous a renouvelé sa confiance en nous, Nomad Biassi, comme vous l'avez ainsi bien dit, communicateur officiel du PPRD. Donc c'est une marque de confiance. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'en viens. Ça, avant de répondre. Il est mal à l'aise. Permettez-moi. Je crois que nous allons faire. Faut pas mentir, hein. Nous allons faire une république. Exactement. Faut pas mentir. Mais seulement, laissez-moi l'état des poursuites. Faut pas mentir. C'est mon temps d'antenne, monsieur. C'est dans son temps d'antenne. Alors, je sais très bien là où tu veux en venir, mais seulement, je voudrais déjà lui rassurer que je ne suis pas dans l'axe du mal, bien au contraire. Vous, est-ce que vous savez ce que vous venez de dire ici? Les dysfonctionnements qu'il y a au sein de Dieu sacré. Vous faites partie de Dieu sacré, monsieur. Assumez-vous. Parce que ce qui est vrai, c'est vous qui répondez à la question. Répondez à la question. Tu étais au Mia Kingaka, tu répondais à la question. Oui. Vous m'avez dit que je suis dans l'axe du mal. Mais répondez à la question. Je vais répondre à la question. Je ne veux pas esquiver. Je ne veux pas esquiver cette question-là. Oui, voilà. Je vais répondre. Voilà. Tranquillisez-vous. Alors, je disais tantôt ceci, monsieur Gramé, que lui, qui se trouve plongé maintenant dans l'Union sacrée, il doit signer, ce qu'il y a comme bilan de l'Union sacrée. C'est vous qui, d'ailleurs, qui s'est retrouvé aujourd'hui dans l'axe du mal. Parce que aujourd'hui, l'Union sacrée fait la honte. Non seulement la honte, mais vous n'aurez aucun bilan en 2023. Donc, avant de me qualifier que je suis dans l'axe du mal, donc il faut déjà voir ce que vous avez comme bilan. Alors, au sein de l'Union sacrée. Mais pour répondre maintenant à votre question, monsieur Gramit, vous savez, le président honoré Joseph Kabila, le camarade Joseph Kabila, que j'aime bien en tout cas l'appeler ainsi, il a beaucoup de considérations envers tous les communicateurs. Oui. Vous voyez, tous les communicateurs. Et ce qui est vrai, c'est que vous avez vu ces différentes photos qui ont été balancées dans les réseaux sociaux, et que certainement que nous n'étions pas en tout cas invités, mais je ne peux pas ici venir étaler notre cousine interne. Non. Ça dit que non, on a appelé certains et certains n'ont pas été appelés, mais sinon, nous allons le temps de discuter cela au niveau interne du parti pour voir ce qui s'est passé. Mais seulement, le président de Joseph Kabila a beaucoup de considérations pour tous les communicateurs. Vous avez vu la décision qui avait été prise. Hein? Nous nommons comme communicateurs. Donc, ceux qui étaient partis ne sont pas plus communicateurs que nous qui étions restés. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas polémiquer là où tu penses que c'est une cousine interne. Merci beaucoup, voilà. Jean-Pierre Vénessi. Oui, alors, on prend directement l'actualité. C'est les 4 janvier 1959-2022. Les événements qui ont précédé l'indépendance de la République une année après, soit le 30 juin 1960. Médard Kankolongo, nous devions normalement rendre hommage à ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes qui ont fait en sorte que aujourd'hui nous puissions dire que nous sommes République démocratique du Congo, un pays indépendant. Alors, quelle image y avait des morts que nous devions également rendre hommage? Et 63 ans après ces événements, vous pensez que la mort de ces gens-là était importante ou bien ils se sont sacrifiés pour rien parce qu'aujourd'hui les Congolais ne comprennent pas, nous tergiversons, parfois même nous sommes reculés 10 pas en arrière plus que la situation qui prévoyait au niveau des 1900 lors de ces événements en 1959. Écoutez, je vais arriver là, c'est très important. Je vais apaiser mon ami Jean-Pierre Balessi, oublié par cette histoire de Kingakati, mais qui va se réconforter, soi-disant que leur cuisine interne. D'abord, j'ai compati avec mon ami Aristote Ngarimé, avec Moussa, oublié par cette gestion chaotique, diabolique, ce qui a été caractérisé, le FCC, il fallait au contraire avoir ces ras-le-bol, ces jeunes capables, où vous battez avec moi sur le plateau, vous défendez cet axe du mal au prix même de votre vie, mais ici, vous voyez que c'est une cuisine interne, je ne suis pas totalement d'accord, et j'ai dit, boutique à moté, maman B, il y aura, j'aurai plus de 2 000 $ et consorts. Il y aura une notion de rétro-commission. Commission. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Donc les autres peuvent communiquer. Quand il s'agit que Kabila donne 2 000 $, et les Ngoulou, là, quand ils vont partir, voilà comment on gère cette histoire appelée FCC, c'est regrettable. Allons-y, Dédé, il me parle du bilan. Monsieur Jean-Pierre Bélessi, je te rappelle que le FCC a juré avec M. Tshisekedi ce qu'on appelle le FCC cash.
Donc s'il faut vous mettre en question, il faut donner votre part de responsabilité. Ah, vous avez pris 65% des ministres. Attention, on ne triche pas avec l'histoire. Allons-y. Vous avez pris 65% des ministres. Vous avez, Pepe Ilukamba, nous pouvons aujourd'hui demander à Tshisekedi le bilan du gouvernement Samalou Kondé. Mais le désordre se voit avec Tshisekedi. Et je vous ai combattu. Le feu se cache. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, je ne suis pas fanatique comme vous. Parce que vous, à l'époque, quand vous détruisez la République, vous venez chanter sur le plateau. Moi, je ne serai jamais d'accord que dans l'Union sacrée, on détruit, on pille la République et je vais acclamer. Non ! Les voleurs restent voleurs. À l'Union sacrée, au feu cessé, partout, je vais les combattre. Tu ne me verras jamais dans l'autosatisfaction telle que vous l'avez toujours fait avec Kabila. Maintenant, pour revenir à votre question. Oui, alors. Gramic, jusqu'à présent, en tout cas, les nombres. J'ai regretté. Certains. Quand je regardais mon fils ce matin, j'ai posé cette question. En venant ici, j'ai posé cette question à Dodi. Je me dis, je te le pose aussi. Bon, c'est pas moi de vous poser la question. Exactement. Si on avait les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui, est-ce que devrions-nous avoir l'indépendance? C'est une bonne question, en tout cas. Que les... Alors, c'est moi, je pense non. Vous pensez... À cette Djemo, il a retardé les Olengankoi, les Bitakwira. Les... Mais je vous dis, Dieu est bon. Les FCC. Je vous dis, Dieu est tellement bon qu'il a envoyé nos pères là avant. Si on allait faire l'inverse, les politiques comme des Olengankoi, comme des Kokonyangi, comme des Bitakwira. Donc aujourd'hui, à l'époque, tout est indépendance. Dieu merci dans son amour, il a mené cette classe politique non classable après et il nous a envoyé ces pères de l'indépendance qui ont compris le sens du sacrifice. Yeah. Est-ce que vous vous imaginez dans la table ronde? Quand ça vous dit, on ne peut pas négocier sans que le monde arrive. Exactement. Mais ici aujourd'hui, il faut voir cette pourriture que nous avons aujourd'hui. Mais vous faites partie mais de la politique. Moi, vous êtes président d'un parti politique. Mais j'ai créé Congo en avant pour gérer la République autrement. Qu'est-ce que vous... Apparemment, vous avez beaucoup de choses à reprocher dans cette classe politique. Mais je vous dis, c'était une classe politique non classable. Pourrie. Pourrie. Des copes, des coopérants. Un club d'amis pour détruire la République. Qui ne sont là que pour leurs intérêts. Mais exactement. Mais c'est l'Union sacrée actuellement et vous faites partie de l'Union. Mais que vous allez que l'Union sacrée c'est la blanchisserie. Non, quel système pourri. L'Union sacrée est un système pourri. Je vous dis, la classe politique d'une manière générale est non classable. D'accord. Et moi, je me bats. Regardez. Moi, je viens de l'Union sacrée. Je vois le FCC cache avec Kabila. Je dis, mais ces gens qui ont pillé la République, ils ont foussé notre économie. Comment tu sais que peut être avec ces gens? Je déclenche le combat. Et vous savez très bien. Je les ai combattus. Et nous avons dit avec Tshisekedi, mettons maintenant ensemble l'Union sacrée ou même. Si ces gens-là, qui est avec le FCC, s'ils peuvent changer les manières de gérer la chose publique. Raison pour laquelle moi-même les voleurs à l'Union sacrée. Vous prenez par exemple. Il y a qui comme voleur à l'Union sacrée? Plein de gens. Il y en a beaucoup. Beaucoup de voleurs. Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, même, ils changent de français, ils cherchent comment. Mais vous dépendez. Bélé, si on parle, on citerait Bahati Lukwebo dans un dossier qui est le président de votre plateforme, hein, que Bahati est allé et il a dépensé l'argent de la République avec une histoire d'un abattoir au niveau de l'Ouganda. Comment est-ce que vous justifiez cela, ces comportements? Je ne justifie pas l'injustifiable. Mais j'ai pas aussi des mensonges. On dit qu'il a dilapidé. Non, je avant que Bélé se prenne la parole, je te montrerai l'ordre d'émission où la République de l'Ouganda a pris en charge. Donc c'est la République de l'Ouganda. C'est la République de l'Ouganda qui lui a invité et il a pris en charge. Je vais montrer même l'invitation et c'est subventionné dedans. Donc moi, je vous dis, je combattrai le mal, mais penser que Bahati est allé là-bas avec le frais de l'État, c'est faux et archi-faux. Mais comment expliquer qu'un président d'une institution de la République puisse aller inaugurer une histoire comme un abattoir? Non, je crois, c'est parce qu'ici, en République démocratique du Congo, vous pensez que la nourriture, hein, l'alimentation, n'est absolument rien. Donc il faut aller importer chez les autres. Mais au contraire, nous sommes un pays continent. Après ce que Dieu nous a donné, nous pouvons acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, construire
Non, selon les informations. On dit que Badi serait également actionnaire. Mais je dis, vous n'avez pas de vraies informations. Parce que vous venez de dire qu'il y a non, c'est l'argent de contribuable le Congo. Je dis, c'est faux. Vous n'avez pas de vraies informations. Parce que l'information n'est que non, c'est l'Ouganda. Alors, allez-y comprendre le reste. Ce n'est pas que de vraies informations. Donc, il faut vérifier votre source. Merci beaucoup, Média Kankolongo. Alors, on se pose la question. L'ordre d'émission, le premier ordre d'émission sorti, c'était les frais du gouvernement, soit du Sénat. C'était les premiers, je pense, les premiers vice-présidents. Et après, moi, j'avais demandé, étant que journaliste, mené des enquêtes dans mes sources proches du Sénat. Ils ont confirmé l'authenticité de ces documents. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on dit que non, c'était un faux document et fake news, on ne sait pas. Mais Bélessi, comment vous réagissez, en tout cas, paix à leurs âmes, nos ancêtres et nos aïeux. On parle tantôt 49 morts et plus que ça, même selon certaines sources. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Quelle est votre comparaison que vous pourriez faire entre la classe politique actuelle et cette classe politique qui a permis à ce que nous puissions arriver à l'indépendance? Monsieur Gramic, je vous dis une fois encore merci, mais avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore apaiser mon ami Médard, lorsqu'il dit tantôt que le FCC devrait également partager une part de bilan du président Tshisekedi. Non, monsieur, soyons sérieux là, ok? Parce que si vous n'avez jamais lu la Constitution, je vous donne l'article 91 de la Constitution qui dit clairement ceci. Il dit quoi l'article? La politique de la nation, elle est définie en concertation entre le président de la République et le Premier ministre. Voilà. Donc, en termes du... Permettez-moi, du point de vue déjà, cette perception des choses, c'est-à-dire l'exécutif ici, il est bicéphale. Et le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Voyez-vous? Donc, le président ici est élu sur base d'un programme. C'est à lui d'exécuter ses programmes. Donc son programme. Au lieu de vous attaquer au Premier ministre Ilunga, qui d'ailleurs, lorsque le professeur Bochabe vous disait que nous sommes dans un régime primo-ministériel, vous avez dit non à cela. Voyez-vous? Et vous avez d'ailleurs signé des ordonnances à son issue. Vous savez ce qui s'est passé lorsque le Premier ministre Iloukama était parti à Lubumbashi. Oui. On a signé des ordonnances inutilement ici à son absence. Donc assignez-vous, messieurs. Ok? Et surtout que. Nous, les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, voilà. Et surtout que le président de la République a une responsabilité parce que c'est lui qui sera responsable en 2023 par rapport à ce qu'il a promis comme promesse. Il a fait comme promesse et comme un programme. Donc on ne peut pas débattre là-dessus, mon cher ami. Ce qui est vrai ici, c'est quoi? C'est que vous devez vous assumer tout simplement. Donc lorsque vous êtes élu sur base d'un programme, exécutez ces programmes-là. Parce que chaque fois, vous cherchez des prétextes, mon cher ami. Non, assumez-vous. Vous faites partie des nœuds sacrés d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que ça marche très très mal. Alors vous cherchez où se trouve le diable. Et tantôt, vous dites que c'est Moïse Katumbi fera partie de ce bilan-là. Jean-Pierre Bemba et les autres messieurs. Le président sera le seul devant le peuple congolais et c'est lui qui sera sanctionné parce que le peuple n'a pas élu Moïse Katumbi comme président de la République. Le peuple n'a pas élu Jean-Pierre Bemba comme président de la République. Le peuple n'avait pas élu Iloukamba comme président de la République. Donc assumez-vous donc. Alors, Mais je reviens. Oui. Avant que tu puisses continuer, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où vous savez très bien qu'après les élections, c'est les FCC qui détenaient la majorité. Et vous aviez dirigé les premiers ministres venus du FCC. Vous venez encore, là, vous venez donc dans la même raison parce que nous avons dit que le régime est primo-ministériel. Mais ces gens ici avaient contesté. Mais aussi, mon cher ami, vous savez très bien. Oui, j'en viens pour dire ceci. D'abord, lorsque vous dites aujourd'hui de cette majorité qu'on a tripatuée, parce que ce qui est vrai, c'est que si vous lisez tous les textes de la République, mon cher ami, on ne peut en aucune manière, en tout cas, à créer une nouvelle majorité au cours d'une législature. Ça ne se fait pas. Lisons tous les textes de la République, on vous dira les contraire. Mais seulement, c'était pour des raisons politiciennes qu'on a en tout cas fabriqué cette majorité. D'ailleurs, mon cher ami, vous savez très bien qu'aujourd'hui, mon cher ami, cette histoire de la création d'une nouvelle majorité, on a torpillé les textes de la République. On n'est pas là. Bien sûr. Non, je vous donne déjà les raisons qui m'a... Un instant, permettez-moi, monsieur. Alors, qui m'a questionné, mais seulement, je vous dis d'aller... Dans quel contexte nous nous trouvions? Parce que, M. Gramic, lorsque ça marchait bien, on disait, non, Fatih Béton. Mais lorsque ça ne marchait pas, on disait le FCC. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi je me demande, on disait que le FCC était le diable.
On nous a présenté ici un gouvernement des Warriors. J'aurais bien voulu que les choses aillent de l'avant parce que c'était l'excès qui était le blocage. Aujourd'hui, pouvons-nous faire le bilan de ce gouvernement Samalou Kondé? Est-ce que les choses avancent? Bien au contraire. On prend les 4 pays va de mal en pire et cela dans tout le domaine de la vie. Donc, c'est pour vous dire, mon cher ami, que non, ce n'est pas une question d'avoir la majorité ou pas, parce qu'aujourd'hui, le président Félix a toute la majorité, mais seulement le pays va très très mal. On prend les 4 janvier, oui. Je reviens maintenant à la question que je vais vous poser. C'est vrai que le 4 janvier, c'est une date qui marquait en tout cas les souhaits du peuple congolais à accéder en tout cas à l'indépendance. C'est ça le principe. Parce que vous savez très bien que après pendant cette période de la convention, il y a eu beaucoup plus de violations des droits de l'homme et consorts. Il y a eu une sorte de marginalisation de peuple. Mais seulement, moi j'aurais bien voulu. Mais c'était la colonisation. Bien sûr, je reconnais bien sûr. Mais bien entendu, mais il faut plutôt. Et comme vous l'avez dit ici, est-ce qu'on peut parler en termes d'acquis de ces martyrs-là? Parce que c'est ça vraiment la vraie question. Ce qui est vrai, mon cher ami Gramic, c'est qu'après une longue période de léthargie, parce qu'il faut reconnaître que après les tendances de la dictature mobutienne, ce qui est vrai, c'est que le Congo était dans une situation très très terrible. C'est-à-dire, le pays était presque je dirais balkanisé. Parce que vous savez que c'est pendant l'accession de Joseph Kabila à la marche suprême que nous avons en tout cas nous avons constaté cette volonté là de la refondation d'un État. Si je vous comprends bien, Kabila était dans la logique des pères de l'indépendance. Exactement, parce que c'est lui qui nous a permis aujourd'hui, parce que monsieur Kabila, vous savez, en termes seulement de l'existence de l'État congolais, l'État congolais était presque inexistant. Il y a certains coins de la République, certaines parties de la République qui échappent au contrôle de Kinshasa. Ça, vous le savez. Donc, c'est pour vous dire, mon cher ami, aujourd'hui, Joseph Kabila a permis à ce que les fondamentaux d'une République, d'une nation soient là. Aujourd'hui, nous avons toutes les institutions qui sont en place. Nous avons un État aujourd'hui qui est moderne, mais aussi en termes de la démocratie. Parce qu'il faut savoir que parmi tous les systèmes que nous avons étudiés à l'université d'ailleurs, le système démocratique, c'est le système le même mauvais. Donc, parce que c'est un système, permettez-moi, je suis. C'est un système qui nous permet à ce que lorsqu'on gère, vous avez ce qu'on appelle les droits de redevabilité, de rendre compte à la gestion. Et Joseph Kabila, avec sa jeunesse, après bien sûr les 32 ans de la dictature mobutienne, c'est lui qui nous a permis. Merci beaucoup. Là, je cite, vite, il nous a permis aujourd'hui d'instaurer la démocratie. Et plus loin, nous avons assisté aujourd'hui à la tendance pacifique. Jean-Pierre Bellet. Donc, ce sont les acquis que nous devons en tout cas capitaliser pour que cet État-là soit réel. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bellet. Médard Kankolongo, nous prenons directement le deuxième sujet. Vite, les présidents de la République dans sa tournée au niveau du Kassai aujourd'hui. Le président sera au niveau de Lodja, Sankourou. En général, alors, le président fait un constat amer. Beaucoup de projets initiés, le président constate que rien n'a été fait. Apparemment, des détournements, des millions de dollars. La situation au niveau du Kassai est catastrophique. Vous, particulièrement, vous étiez là-bas au Kassai. Si nous parlons, si nous faisons un raccordement avec ce qui s'est passé, vous venez là de dire que si Dieu permettait ce que nos politiciens d'aujourd'hui soient à l'époque, mais certainement c'était très terrible et parfois on n'aurait pas dû avoir cette indépendance. Alors, comment est-ce que vous appréciez ce qui se passe au niveau du Grand Kassai en général? Permettez-moi de le dire en lingala. Banamboka. Tokumi Sanzambe. Ce qui est politicien, il y a les lots. Base à la cava indépendance, mais il y a indépendance. Aux yeux Bitakuir, aux yeux Lengankoy, aux yeux Koukounyang et Joseph, catégorie à politicien, ce qui est base à la cava indépendance. Dieu est tellement bon, pardon, c'est très important. Il ne faut pas qu'on gagne. Zambaza tellement malade que bon, mi bango, baïsima, attendez, bakasa, fobo, baloumou, baliboso. Ça, c'est un. Bakabi, il avait. Hein? Non, je ne veux pas citer Kabila. Tu sais, on va nous ramener, nous laisser Kabila se reposer. Il nous ramène les débats de Kabila ici. Mais c'est lui le père de la démocratie. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit clairement et le peuple le sait. Merci, Bélis. Alors, il me parle que non, Kabila, c'est le père qui a refondé l'État, les fondamentaux. Exactement. Les fondamentaux pour un peuple, c'est l'eau, l'électricité, les sociaux. Les social. Kabila a quitté le pouvoir, rester calme. Un instant, de développement humain qui nous montre que le dernier rapport de la BAD, Banque africaine de développement, il quitte
le pouvoir, d'abord sur les statistiques, la population congolaise est estimée à 75% jeune. Yeah. Mais 80% au chômage. Voilà le père, hein, des bananes, selon M. qui est en face de moi. Mais rien. Hein? Il a parlé. Est-ce que moi, j'ai qu'à ça changer? Allons-y, mesdames. Mais allons-y, le père de l'indépendance. Allons-y, mesdames. Oh, il ne peut pas dire calme ton invité. Oui, je vous protège. Je vous protège, mesdames. Applique les mêmes attitudes que moi. Je suis très calme. Même quand vous mentez, je suis calme. Dédé, il nous parle des institutions alternance. Monsieur, Kabila devait quitter le pouvoir en 2016. Sur la constitution. Il est parti en 2018. Et on a sacrifié, on a tué à balles réelles les gens de ma génération. Vous parlez de quelle alternance, monsieur? Ah bon, je te compare à cette époque-là, tu dansais les Sega Yosa Kingakat, hein? Tu ne comprenais pas ce que c'était. Vous devez être les gars, monsieur. À l'époque, vous buffez les 15 milliards de dollars. Vous allez vous voilà. Il a dit. Ah, voilà. Ne venez pas ici nous dire des choses, c'est pour raconter des histoires. Le père de l'indépendance. Mais là, vous voulez Kassai, on arrive. Le Kassai, je venais de vous le dire. C'est ce qu'il est une situation catastrophique. Le Kassai, le poumon, c'est la Miba. C'est un cépage gramique. Mais la Miba, c'est la fidèle que ce conglomérat des aventuriers. Où il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. C'est comme ça que la Miba est tombée en faillite. Kabila vient. Il parle des promesses. Mais apparemment, si vous n'avez pas cette vidéo, je vous la transmettrai. Où Kabila dit, dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Vous avez cette vidéo? Dans 6 mois, les chutes 4 TND, c'est opérationnel. Le monsieur là, à cette époque-là, il lui fait les 15 milliards avec le Zolobambi qui nous prenait. On dit que c'est un projet de Kabila. Alors, si j'arrive, laissez-moi, je vous dis, Gramic, les voleurs de Kabila, les voleurs de Félix, tous sont des voleurs. Ah, merci beaucoup. La place est en prison. Nous sommes des jeunes. On ne peut pas, au nom des appartenances politiques, venir défendre l'indéfendable. Non, ça, il faut dire ça, Bélé, c'est pas moi. Chez eux, lorsqu'on pille, on ruine, on détruit la République, il a la police le plus de nom. Moi, j'étais poursuivi par un ministre qui était de l'Union Sacrée, ouais, au commerce de commerce extérieur. Jean-Lucien Bousso. Exactement. Moi, je lui ai montré, messieurs, ça se passe pas comme ça. Même l'Union Sacrée m'a traqué au parquet tous les jours. Mais c'est dans l'Union Sacrée. Nous avons levé l'option de défendre la République. Pas au nom de quelques petits intérêts personnels. La République est au-dessus de nos petits calculs. Et ça, je l'assume. Moi, je demanderais plutôt à Tshisekedi, lui qui a dit par exemple que non, on va arrêter ces gens. Mais avec quelle justice? Cette justice qui sera prête à arrêter Gramic, à arrêter Médard Kankolomo. Mais ils ont fait du clientélisme avec les acteurs politiques. Mais l'histoire des caméras, n'en parlons pas. Même sur les arrêtés aujourd'hui. Même sur les intérêts aujourd'hui. Mais le comble, je termine juste par là. Lorsque l'État arrête quelqu'un, il y a des aspects. Il y a l'aspect de l'opinion publique, la morale publique. L'État veut montrer à ces gens que voler n'est pas bon. Deuxièmement, l'État doit récupérer ce qui est dit entre les mains de ses détourneurs. Parce qu'on appelle ça l'argent des contribuables congolais. Malheureusement, chez nous, la justice coopère. Parce que même le juge se disait, du coup, tu sais qu'il y a toujours la hein? Avec cette IGF, tout le monde, il n'y a pas de dossier. Mais c'est ce que je te dis. C'est pourquoi le parquet, on dit, faisons sauter les verrous caméra pour dire, vous pouvez aussi voler rapidement. Mais je vous dis. Alors, Jean-Pierre Bellassi, nous prenons ce qui se passe. Le président de la République, sous une autre forme, a accusé les FCC en disant que non, si les Kassai est comme ça, c'est vraiment, ce sont les régimes précédents. Qu'est-ce que vous réagissez? Vous avez géré pendant 18 ans, on dit que vous aviez sacrifié les Kassai parce que c'était les bastions de l'opposition. Pas du tout, mais avant de répondre à votre question, je voudrais une fois qu'on rencontrait mon ami Médard, lorsqu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dites ici, lorsqu'il dit par exemple que non, j'ai dit
tantôt ici que Joseph Kabila, c'est nous le père de l'indépendance. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement, c'est nous le père de la démocratie. De l'alternance. Et de, je dis bien de la réelle démocratie. Il faut qu'il y ait la cause. Quelle est la réelle démocratie? Permettez-moi. Alors, je voudrais à ce que à toi qu'il soit élégant dans cette émission, mais seulement, je voudrais à ce que, parce qu'ils utilisent tous ces langages-là, que c'est nous qui avons tué le pays. Monsieur, S'il vous plaît, Médard. Franchement, moi, vous êtes trop plein de charme, monsieur Médard, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qui est vrai ici, je ne voudrais pas ici faire la comparaison entre les conditions dans lesquelles Joseph Kabila avait trouvé le pays et les conditions dans lesquelles il a laissé, et surtout qu'ils ont laissé des gens qui sont en place aujourd'hui. Mais lui n'a pas trouvé ça. Il a trouvé un pays qui était presque bas. J'ai dit, Joseph Kabila a donné un cadre institutionnel. Exactement. Au pays. Exactement. C'est un acquis énorme que nous devons capter. Mais c'est chose qu'il n'a pas trouvé dans ce pays. C'est moi, je vous dis, monsieur, soyez en tout cas modeste lorsque vous parlez contre Kabila. Parce que Kabila, c'est lui qui a permis aujourd'hui que la liberté d'expression. Un instant. Donc, lorsqu'il dit des 18 ans, mais faisons des statistiques, mon cher ami. Faisons des statistiques. Je vous donne l'information. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le Kassai pendant 18 ans? Je vais descendre par là. J'en viens, mon cher ami. Faisons des statistiques. Je vous donne l'information. Pour le Kassai. Les statistiques nous indiquent que depuis que Joseph Kabila a éveillé son pouvoir, le pays n'a jamais connu une période de récession, mon cher ami. Pas une seule fois. Et selon vos statistiques. Je vous en conseille, allons-y. Oui, mais si vous voulez que je vous donne les chiffres, organisons un débat, n'est-ce pas, sur le bilan de Joseph Kabila. Oui, je le ferai. Nous allons débattre point par point pour démontrer là où le président Honoré Joseph Kabila avait trouvé le pays et là où il l'a laissé. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas? C'est comme ça qu'on fait les Mais lorsque vous dites aujourd'hui, mon cher ami, que qu'est-ce que nous avons fait pour les Kassai? D'abord, il faut. On vous accuse. Oui, j'en viens. Il faut déjà partir sur du point de vue légal. Oui. Parce que nous sommes dans un régime là où il y a justement la décentralisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les provinces sont pratiquement autonomes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la décentralisation, la déconcentration. Exactement. Il y a l'autonomie financière, même, entre guillemets, autonomie politique. Parce que, mon cher ami, nous sommes dans un système démocratique. Et lorsqu'on élit les gouverneurs de province, il faut que ce monsieur nous apporte des programmes sur lesquels les députés provinciaux qui ont un grand rôle dans le contrôle justement de ces différents gouverneurs. Donc vous vouliez responsabiliser les gouverneurs dans la misère au niveau du Kassai. Mais l'impunité, pourquoi est-ce que Joseph Kabila avait ses prérogatives de révoquer les gouverneurs? C'est constitutionnel. Je vais chuter par là, j'en viens. Permettez-moi, je vais raisonner. Ça dit tout simplement que non, déjà il y a un problème à ce niveau-là. Ça dit, les députés de cet espace-là n'ont pas pu jouer à toi bien leur Donc le problème c'est les Kassaïens. Exactement, parce que déjà si vous regardez même la configuration de tous ces gouverneurs aujourd'hui, ils sont donc c'est pas seulement pour la province du Grand Kassai. Dans toutes les provinces, il y a des ressortissants de ces provinces là qui gèrent la province respective, c'est à dire il y a une part des responsabilités des ressortissants du Grand Kassai. Et surtout, mon cher ami Gramic, ce qui est vrai, c'est que nous avons connu des gouverneurs qui ont fait beaucoup d'état. Vous prenez quelqu'un comme Ngoï Kassani qui est aujourd'hui dans les Ils étaient du PPRD. Mais bien sûr, vous tous. On a vu Kabila de l'impunité. Qu'est-ce que Kabila faisait Je vous ai dit ici, est-ce que les députés provinciaux ont bien joué leur rôle dans le sens de contrôler les gouverneurs? Parce qu'il faut qu'il y ait un programme de développement de chaque province. D'ailleurs, lorsque vous dites aujourd'hui que non, qu'est-ce qu'on a fait dans la province du Kassai? Mais il y a des réalisations qui ont été faites là-bas, mon cher ami. Vous prenez le pont Luangé. Vous parlez toujours du pont Luangé. Mais c'est important, mon cher. Le pont Luangé a permis Mais je vous donne des réalisations. Aujourd'hui, si le Kassai est vidé, c'est à cause de ce pont Luangé. Bien sûr, mais c'est une réalisation. La plupart des jeunes ont fait. Mais cher ami, c'est une réalisation.
il y a une réduction aussi grande. Parce que c'est les routes qui permettent le développement d'une contention d'une province. Mais il n'y a pas eu développement. Il y a eu le barrage de Katende. Qui? Qui ne fonctionne pas jusqu'à présent. Il y a eu le barrage Kakobo là. Ce sont des réalisations. Qui ne fonctionnent pas jusqu'à présent. Mais ce sont des réalisations. Ce sont des réalisations qui jusque-là peut-être ne sont pas encore finies, mais seulement. Je vous dis que, en tout cas, il y a une volonté politique dans le sens de trouver, à toi, de permettre, permettre à ce que cette province-là aille de l'avant. Mais je chute en disant, j'aurais bien voulu, après 3 ans passés à la tête de la RDC, que le chef de l'État nous aille aussi inaugurer, c'est-à-dire présenter ses réalisations. Pour dire, voici ce que j'ai fait pendant ces 3 années. Mais d'accord, permettez-moi, je suis parlementaire. Oui, que pendant les 3 années que je fais à la tête du pays, mais il va là-bas pour quoi faire, mon cher ami? C'est-à-dire, ce sont les vrais. Mais il ne peut pas seulement aller visiter le Kassayon. Mais aussi, j'aurais bien voulu, en tout cas, qu'il aille inaugurer des ouvrages parce qu'il a déjà passé 3 ans à la tête de la République. Alors, et que c'est beaucoup et c'est important. Médard Kankolongo, c'est vrai que nous allons nous poursuivons l'émission, mais quand vous accusez également les régimes Kabila, on dit que Batiukobo aujourd'hui, votre leader, fait partie, vous ne pourriez pas en tout cas dissocier Bati et Kabila. Et puis nous prenons le président de la République s'excuse, il dit qu'il demande même à ses frères, à nos frères du Kasaï, de comprendre et ainsi de suite. Mais est-ce le président de la République doit continuer toujours à s'excuser, à responsabiliser les autres, les présidents inclinés? Apparemment il y a un problème, l'Union sacrée ne veut pas assumer ses responsabilités. Exactement. Moi, je connais Béli, ça je donne un secret. Qui rigole? Ça c'est un secret. Je ne peux pas tolérer ce genre de propos. Vous êtes un ami de longue date. Oui. Je me suis habitué d'en débat avec vous. Je connais lorsque vous ne croyez pas à ce. Vous rigolez souvent. Ce sont des signes que je montre aux journalistes. Prochainement, il faut. Mais exactement, tu es un ami. Vous allez nier nos amitiés sur ce plateau? Mais je menti aussi. Non, est-ce que vous allez nier nos amitiés sur ce plateau? Non. Démontrez-les. Regardez quand il dit des choses vraies. Il est sérieux. Il ne rigole pas. Mais si seulement, il commence, vous voyez lui-même, il n'aime pas, ce sont des choses. Voilà, voilà. Bon, mettons ça entre parenthèses. Vous m'avez parlé que le président inaugure quoi. Moi, je viens du Kassai. J'étais le premier à lui créer un effet. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a quelques réalisations. Comme quoi? Depuis. Laissez. Quand on voit l'aéroport. Laissez juste. Il y a des chariots même. Mais, Gramique, nous avons un pays continent. Allez-y. Mais parce que d'abord, allez-y. Allons-y. On doit supporter ces gens de bêtises. Un ministre qui s'est fait. Demandez à ton ami qui est là du FCC. Regardez, dans 3 ans. Votre invité, voilà. Dans 3 ans, nous avons le problème des guerres à l'Est. Ouais. Vous avez des histoires partout. Il faut prendre ces pays. On commence par où? La priorité. Vous avez la grève. On s'esquisse, on travaille. Oh là là. Et je te parle d'un exemple. C'est pour la première fois que je suis né là-bas que j'ai vu des routes. Où? Bon, tu n'as jamais été là. Ouais. Aujourd'hui, si vous prenez l'avenue principale, qui était l'aéroport, c'est pour la première fois que je suis né grandi là-bas. Il y a des routes. Je te donne les éléments. Moi, je ne mens pas. Je donne des éléments clairs. Vous savez que. Allons-y, j'ai dit que non. Vous savez que Chicago, le président était incapable de passer lui là-bas. Mais est-ce que dans. Par manque même des. Mais les gens ont gêné le pays pendant 21 ans. J'ai dit, il est en face de vous. Il est responsable. Mais pourquoi toujours. Bélé, s'il y a des. Tu penses que dans 3 ans. 3 ans, même pas un hôtel. Même pas un hôtel, mesdames. Vraiment. Même pas un hôtel. Alors, je te donne. Je t'aide. Même pas un hôtel. Non, il ne faut pas grandir. Avec beaucoup de respect, que je ne peux pas te laisser tomber dans les fake news. Allons-y. Actuellement, on construit l'hôpital général de la Mouille. Mais pourquoi le président n'a pas dormi? Laissez-moi. Vous avez dit qu'on commence par la priorité. Il faut construire l'hôtel pour le président ou construire un hôpital qui peut abriter. Parce que vous cassez orienté la mouvement précisément. Il peut être de référence. Pendant 3 ans, vous n'arrivez pas à construire un hôpital.
Pendant trois ans, mesdames. On parle C'est grave, mesdames. Est-ce qu'on parle de quoi? Allons-y. Je te parle des routes. Je dis des hôpitaux modèles, des références. Où les gens peuvent quitter comme cinquantenaire. Oui. C'est construit maintenant. Je suis allé. Ça finirait quand? Mais c'est déjà très avancé. Vous, je veux les Un instant, Bélessi. S'il vous plaît. Respectons les. Non, je peux démettre, mais dérangez-les. Allons-y. Je donne des éléments. Moi, je m'en parle. Oui. Des éléments vérifiables. On vient des infrastructures d'autre qualité. Ah, je m'attends. Là, j'étais là, il y a à peu près moi. Tu dis, ah, mais la fait maintenant, j'arrive. N'a même pas évoqué, c'est là, mesdames. C'est pour dire que c'est nous. Et est-ce que vous arrivez? C'est-à-dire, par rapport, les cabines nous ont laissé dans un fond sans fond. Le mal est tellement profond que, vu le temps qu'il a eu, il faut du temps pour arriver à sentir cela. Même aujourd'hui, vous voyez les routes Kalambambouchi, je ne connais même pas encore ça. C'est un truc d'intérêt national. C'est pratiquement. Vous avez vu ce que. On a dit non, j'arrive, pardon. Moi, je peux pas te laisser parler. Nous sommes en affaire, en fait. Nous, mais à la fin, mais allons-y, allons-y. Je l'ai entendu parler ici, oh, c'est le député et consort. Oui. Messieurs, vous êtes un juriste que je respecte. Si je ne vous connaissais pas, je l'ai douté de votre diplôme. C'est franchement. Non, donc, comme je vous dis respect pour vous, vous êtes un monsieur très intelligent. Je mets ça entre guillemets. Mais il y a ce qu'on appelle la rétrocession de 40%. Mais qui revient toujours parce que c'est constitutionnel, mais ça ne vient pas. Mais laissez-moi m'adresser à ces messieurs qui ment. Mais je vous donne l'information, hein? Ça ne vient pas. Non. La retenue à la source même. D'ailleurs, la mention n'est pas. On a donné même. Grand-mère n'a pas des informations. Non, on vient de donner même. Non, mais un instant, mesdames. Allons-y, mesdames. Tiens, perdez quoi? De la vérité? Allons-y. Yes, aujourd'hui, non seulement il y a les rétrocessions, il y a ce qu'on appelle les frais d'investissement qu'on donne aux provinces. 7 millions par province. Ce qui n'a jamais. Mais la caisse des précautions, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils viennent mentir ici. Bon, ce sont des éléments. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur, hein? Un instant. Mais j'aurais quand même les temps. Oui. Un instant. Jean-Pierre Bélessi, il y a une question. On voit Bouchard quitter les PPRD, Lumanu, qu'est-ce qui se passe? C'est la transhumance politique ou bien les FCC, c'est pratiquement aujourd'hui coquille vide. Très bien. Il n'y a plus rien à espérer. Très bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore rencontrer M. Ménard. Moi aussi, je le connais, vous savez. Hein? Oui, vous avez des amis. Oui, je le connais, mais lorsqu'il ment, il ouvre grandement les yeux. Oh. Je le connais. Donc, quand il ment, il ouvre grandement les yeux. Et vous, quand vous mentez, vous souriez. Non, non, je le connais un peu. Ah, je le côtoie. Les gens comprendront qu'il est donc, je comprends, vous savez, le discours facile qu'il a, c'est que là, c'est ce qu'il y avait, le préfet qui a tout de tout. Mais j'aurais bien voulu qu'il nous dise de ce qu'il fait, de ce qu'il font. J'ai donné. Il y a un hôpital en construction, il y a des routes. Permettez-moi, mon ami ne sait pas qu'il y a un programme qui s'appelle Qu'il est jaloux. Oui, c'est ça. Un instant, Il y a des routes. Un instant, mais il y a des gens qui ont été arrêtés à cause de ces programmes-là. Est-ce que vous savez ça? Quel détournement? Oh, mais franchement, le programme Qu'il est jaloux. Arrêtez où? Mais dans les provinces. Dans votre province. Ah, dans les provinces. Un instant, mesdames. Mais je vous dis. Vous n'êtes pas informé. Je suis désolé. Donc, c'est pour lui dire, mon cher ami, au lieu de vous attarder sur le bilan de Kabila, c'est vous qui avez les manettes du pouvoir. Mais le président dit que les gens qui ont détourné l'argent, nous sommes dans le même discours. Le chef de l'État, lui, il ne connaît rien, il ne fait rien. Bouchard, qui permettez-moi, j'en viens, mon cher ami. Non, permettez-moi, lui, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Ce sont les autres qui sont fautifs. Et pourtant, c'est lui qui est le président de la République. Hein? Mais il ne peut pas prendre la casquette ou soit des gens de. Hein, on appelle ça comment? Les activistes des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il est là pour dénoncer. Alors que c'est lui le chef de l'État. Il doit agir, mon cher ami. Lorsque vous parlez des gouverneurs ici, il y a des gouverneurs qui se sont distingués dans la bonne gouvernance. Comme qui? Comme Zoé Kabila, par exemple. Zoé Kabila, vous avez des réalisations. Vous avez des réalisations dans ce moment. Vous prenez un mot à ma mère. Demain, tu étais venu pour perturber l'émission. Non, c'est ça. Allons-y, Bélessi. Tu étais venu pour perturber l'émission. Un instant, mouillage, mon cher ami. Ce sont des gouverneurs qui se sont distingués
dans la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces messieurs-là? On a créé des problèmes. Et contre eux, est-ce qu'on veut vraiment que nos provinces avancent? Vous ne vous pas d'ailleurs, si nous constatons l'exode rural dans la capitale, c'est parce que justement il n'y a plus rien dans la province. Aujourd'hui, les provinces ont été désarticulées, mon cher ami, de par leur fonctionnement. Aujourd'hui, il y a combien de gouverneurs intérimaires? Est-ce que vous me dites qui ont déstabilisé ces provinces? Ce sont les sociétés. Donc, c'est déjà ici, mon cher ami. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'il évoque d'ailleurs, je suis par là, lorsqu'il évoque la question de péréquation, c'est important, mon cher ami. Est-ce que tu sais, mon cher ami, que ça fait 3 ans que cette province n'est plus alimentée? C'est ça? Est-ce que tu sais? Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il dit exactement. C'est ça l'actualité du. C'est ça, il ne sait pas ce qu'il dit exactement. Donc la caisse de péréquation, ça fait 3 ans que cette péréquation n'est plus alimentée. Alors, cette caisse nous permettait à ce que nous puissions créer de l'équilibre. Parce qu'il y a certaines provinces qui sont plus riches que les autres. Et c'est avec cette caisse de péréquation qu'on créait de l'équilibre. Mais cette caisse n'est plus alimentée. Alors arrêtez, mon cher ami, de venir mentir sur ces plateaux. Et Louman, nous sommes toujours au PPRD. Mon cher ami, moi, je pense que ce qui se passe dans. Vous êtes du PPRD, un communicateur officiel, non? J'en viens, mon cher ami. Ils sont toujours du PPRD? J'en viens, vous avez posé la question, je me réponds. Nous n'avons jamais vu, n'est-ce pas, pendant tout notre régime, un opposant aller accueillir, n'est-ce pas, Joseph Kabila. Donc, ils se sont auto-exclus. Exactement. Merci beaucoup. Je peux vous dire ça. Parce que seulement. Parce que seulement. Nous voulons aussi que nous puissions faire la politique autrement. La politique des valeurs, les convictions. Mais seulement, j'ai évoqué quelque chose qu'il a dit. Merci beaucoup, vite. La classe politique, elle est pourrie. Mais seulement, lorsque tout ce monde-là vient chez vous, mon cher ami, qu'est-ce que vous en faites avec eux? Merci. Est-ce que vous aurez le temps de l'échanger avec. Parce qu'à un certain âge, on ne saura plus. Merci beaucoup, Bélessi. Donc, assumez-vous, lorsque les gens viennent chez vous, pour des raisons totalement du ventre. Merci beaucoup, Bélessi. Merci beaucoup. Alors, mesdames, nous finissons. L'actualité, c'est aussi Caméré. Vital Caméré, hier, a quitté le pays en destination. On ne sait pas jusqu'à présent des précisions. On parle des États-Unis, on parle de l'Europe. Vous pensez que Caméré quitte vraiment pour des raisons de soins de santé ou bien. Il y a Yangui Souroche. Bon, je vais quand même, il faut avoir quand même du respect. Vous n'avez qu'une minute. Pas de problème. Non, on peut pas. Il faut quand même avoir du respect pour ces gens qui ont beaucoup de nous, que vous avez humiliés. Moi, je dis ces gens du PPRD. Humiliés, Mouchard, au Sénat. Un professeur des universités, vous l'amenez au Sénat, soi-disant qu'il sera deuxième vice-président, c'est j'aurai après ce qui mouta. Minabou et Naomi dans la salle, ils vont comploter et Boshaba était humilié. Humilié comment? Mais c'est la démocratie. Laissez-moi à la fin. Oh. Allons-y. Je vous dis que Mbuta, Minako, Naomi. Vous avez des preuves? Laissez-moi. Allons-y, Un instant, et aujourd'hui, vous pensez qu'un professeur des universités, voilà comment il peut perdre du pays. On envoie un communicateur attaquer Boshab comme ça. Oh, je suis désolé. Il donne l'information. Il dit qu'il a auto-exclu. Je suis désolé. Le maire de l'information à Berthet Télévision. Oh là là là. C'est auto-exclu. Voilà, c'est pas des caméras. C'est ce que je t'ai dit. Il est maintenant calme. On prend les caméras. Je regrette. Même Chadari, il va regretter ce que tu as dit. Oh là là. Nous avons l'affaire, mesdames. On prend les caméras. Alors, pour parler des caméras, c'est cette image. Quand je regarde mon fils Krenovic et Glomé, je pleure. Oui, je salue. La République où les voleurs sont gratifiés à la guerre de la journée. Caméra est malade, il est parti pour. Laissez-moi arriver. C'est le pays au monde où j'enverse ta cravate. Danser pour un voleur, c'est la République démocratique du Congo. Les gens poudroient pour un voleur. Caméra est un voleur. Caméra est Mouibi à TV. Et ça, Mouibi à Banda côté. Comment Mouibi à TV. Donc vous affirmez que Caméra est un voleur. Condamné par la justice, ne faisait pas lui
ironie. Il y a un pouvoir en cassation, non? Alors qui suspend Gramic, avant de me faire le juridisme ici, ta mère était condamnée pour quoi? 20 ans. C'est moi qui pose la question. Alors ne venez pas faire de l'ironie. Vite en tout cas. Hein? Ouais. Il a été condamné pour 20 ans, après 13 ans, pour l'année. Pour dossier politique, ou bien pour l'argent qu'il a détourné. Moi, je regrette. Là où je t'ai dit, l'union sacrée n'est pas blanchie série. Nous devons, quels que soient nos bords politiques, léguer à notre peuple si des ouais. Leçons où nous venons. Mais on est à la fin. Je comprends. Je vous donne les temps d'antenne. Oui. D'accord. Vous finissez dans 9 secondes. Mais... Non, pas soumettre dans le gars. Oui. Comme on est à la fin. Et que je n'aurai pas le temps de revenir, je vais demander à Godin Poy et à l'ensemble des députés d'avoir pitié pour nous. Pourquoi? L'histoire des Andes. Ah, d'accord. Au lieu de venir brandir des diplômes d'avare, Godin Poy, il faut avoir honte. Expliquez-nous ce qu'on fait des Andes. Je dis Ngobi au ministère, amen. Okay. C'est là où il est allé dire que nous sommes en 2023. Ah, d'accord. Au ministère, et donc il sabote même l'ensemble provincial. Merci beaucoup. Mesdames. Ministre provincial et transport, M. Mbokoso. Dans un ministère de vérité, Mongo n'a mis son Kozoaka. Non, comment on a parlé qu'il était Mbokoso, ça l'a terminé. Merci beaucoup. Bérezi, on finit avec vous, on parle des caméras. Caméras à l'extérieur du pays. Allons-y. Caméras à l'extérieur du pays. Vous savez le discours de mon ami Meda. Ça t'étonne. C'est ça qui permet de manger. Je ne suis pas la salade comme nous sommes à la fin. Non, lui, la salade. S'il vous plaît, Meda, nous sommes à la fin. Il est un pied dehors, un pied dedans. Exactement. C'est-à-dire tout simplement, il veut. Donc moment. Il souffle les cheveux de force. Exactement, parce qu'il sait que non, déjà le bilan. Il ne veut pas s'assumer. Oui, exactement, le bilan du. Moi je m'assume. Ils n'auront aucun bilan en 2023. Alors c'est pourquoi ils s'attaquent un peu pour dire bon, voici, même si je suis dans l'Union sacrée, j'ai attaqué l'Union sacrée pour qu'il ait la séparation de la population. Bon, monsieur, vous allez endosser la responsabilité de votre régime. C'est ça, mon cher. Ne nous mentez pas parce que le peuple n'a pas besoin de ce genre de mensonges. Et on finit avec. Mais je reviens pour ce qui est comme dossier soit de voyage de caméras pour les mais, mon cher ami, moi j'ai déjà compris ces régimes, c'est que nous sommes ces gens nous amènent dans une politique spectacle, c'est ça la vérité, parce que nous savons tous que une caméra a été en tout cas arrêté sur base d'une infraction bien définie, ça des vous êtes juriste et il y a un pouvoir en cassation, non? Je ne refuse pas, mais seulement j'aurais bien voulu qu'on nous donne les éléments qui ont permis à ce que, en tout cas, qu'on puisse se donner cette l'attestation médicale, il est très malade. Mais j'en viens, je ne refuse pas. Mais seulement, regardez le bilan, soit j'allais dire, les résultats de ces programmes 100 jours. Est-ce que réellement, il n'y a pas eu détournement des liens publics? Il y en a eu. Et tous ces gens-là, ils sont... Qui a le courage de parler de détournement? Dans 3 ans, messieurs, dans 3 ans seulement, vous avez détourné des millions. Merci beaucoup. Non, monsieur, permettez-moi. 30 secondes. 3 ans, c'est là, mon cher ami, que vous avez. 15 milliards! 15 milliards! C'est équivaut à 450 milliards. 450 millions de dollars. Merci beaucoup. Vous, 15 milliards. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jabir Bérezi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Bérezi. 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 15 milliards. Si à l'ouzon au bambi. Procès à Wad. Kangaye Kuna. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Bérezi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Bérezi, respectons. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Je vous retire la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 15 milliards, nous sommes au bas. Procès, ça va. S'il vous plaît, mesdames. 15 milliards. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça n'est fini. Pour aujourd'hui, j'ai réservé pour vous, en tout cas, un débat très houleux. Mesdames, Kankolongo, président des Congo en avant.
de l'Union Sacrée, très proche de Basse Lugobo, et maître Jean-Pierre Bellé, si cadre au niveau du FCC. Merci à toute l'équipe, Yadjo qui était au Forêt Moulin, prise de vue, les Dipo Florent Batampi. Merci également au DG Peter Tiani et à vous tous à la régie. Mon vieux, je vous salue. C'était un bonheur pour moi de vous présenter ce troisième numéro, je pense, des débats pour la nation avec Gramic les grands. On se retrouve prochainement. Quant à l'actualité, il y a nos amis qui doivent être relaxés. Il s'agit de Jacques Ndala, Barnabé et Milinga, suite à la grâce présidentielle du président de la République. Barnabé Milinga, c'est un grand plaisir de vous retrouver en liberté. Alors, Gramic Legan, c'en est fini pour aujourd'hui. Débat pour la nation, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Vous pourriez vous saluer même par papa.